salut, je déjeune avec toi. Je déjeune avec toi ce matin. Je déjeune, et je suis en 1970, en 1980. T'as vu, je me suis changé. C'est bien, t'es content. Toi, tu déjeunes, regarde. Et ça, c'est un Schweppes de je sais pas quelle année. Et pour cette époque, voilà. Schweppes. Voilà. Avec une, tu vois, on est dans le Coca. J'ai une Smirnoff. Elle s'en est. Si tu déjeunes, tu commences pas comme ça. Tu commences avec un autre truc. Voilà. Là, je suis toujours au musée Calzado de Elda. Musée de la chaussure. Hein. Bon, bah, évidemment, moi, tu vois, c'est toujours mes bottes. Moi, c'est le musée de la botte. Hein, si tu viens chez moi. Des vieilles, des trouées, des qui marchent encore. Elles marchent quand je mets les pieds dedans, évidemment. Voilà, c'est super beau. Là, il y a une dame qui est en train de filmer des trucs. Là, à côté, avec une espèce de machine. Parce que là, on est en 70. La machine qu'elle a dans les mains n'existe pas encore. Tu vois, je fais le tour, tu me rapproches. Tu vois, voilà. Tu vois, là, je mets le vent. Par exemple, là, tu vois, je suis le client. Ouais, je voudrais un Schweppes, s'il vous plaît. Voilà, le gars, il est là, bon, il te donne un Schweppes. Tu vois, et à l'époque, tu vois, il y avait de l'Orangina, il y avait du truc, comme dans les kermesses, hein. T'as déjà fait des kermesses. Là, le mot kermesse, déjà, ça, c'est vachement bien, mais ça n'existe plus. Hein. On ne fait plus de kermesse, maintenant. On fait la fête, hein. On fait la fête. Qui coûte cher, hein, parce que maintenant, dès que tu veux une petite boisson, c'est pas le prix que c'était. Hein. Voilà. Donc, t'as vu, je suis prêt. Moi, je vais jouer du piano. Je crois qu'ils ont déjà commencé à enregistrer des trucs. Donc, je suis en propre. Voilà. Je suis en cowboy, pareil, hein, en propre. Voilà, c'est tout. Là, ici, il y a plein de vinyles. Je vais les filmer, puis je les mets en médaillon. C'est super bien, la petite pièce. Ici, je te présente une télévision de 1900. Ça, c'est le genre de télé que tu avais dans ta pioule. Tes parents avaient une télé énorme, un mètre-cube, tu vois le truc. Tu sais, les containers à flotte là, que tu mets. La télé, c'était comme ça. Là, tu avais ça dans ta pioule. Voilà. Puis au début de Canal+, tu ne voyais rien samedi. Hein. C'est pas la peine. Non, mais pas trop la peine. Là. Mais par contre, il y en a une autre là-bas, je vais te la montrer, elle fonctionne. Hein? Donc je tourne la caméra et je fais des coupures entre temps. Hein? Donc si tu veux, je vais te passer comme ça. Là. Top. Bon, alors là, on est à la télévision, toujours cette télé là, tu vois, toute petite. Hein? Ça, c'était pour le petit frère. Hein? De l'autre, il y avait, si tu étais deux, il y en avait un, il avait la grosse télé, et l'autre la petite. S'ils avaient deux pioles, on avait une piole. Hein? On était entre ces là-dedans. Donc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je te mets des vinyles en plus. Et puis moi, je vais aller jouer parce qu'il y a des gens qui viennent. Il va y avoir un petit apéritif. Hein, tu comprends bien. Un petit apéritif de vin d'honneur. Tu vois. Et je te dis bon déj. Salut. Et j'y vais parce que moi, j'y vais.